Oh, il est Destroy, c'est Little Destroy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de Watch Dogs 2. Donc, on va finir la mission Observer. Alors, il faut qu'on aille rencontrer un contact mystérieux. Enfin, contacter un contact mystérieux. Tout d'abord, voilà, là-bas il y a une voiture. C'est parti. Bon, j'espère que vous, ça se passe bien. Moi, ça va bien. Oui, je rentre de neuf de mon côté, hein. J'espère que le let's play sur Resident Evil 7 vous plaît. Dites-le en commentaire comment vous trouvez mes let's play pour l'instant, hein. Moi, ça me plaît ce que je fais pour l'instant. Je suis content, j'ai 14, ab 14 abonnés maintenant. Donc, je vous remercie à tous de vous être abonnés. Et donc, voilà, je suis content. Dans 3 km, sérieux? Oh là là. Mais c'est. Attends, on peut pas y aller là direct? Ok, d'accord, assez loin. Je suis un peu. Y'a pas un truc dans le coin là? De route, bah t'as volé là. Trajet rapide. Alors, il faut savoir pourquoi le FBI enquête sur nous. Bon, j'espère que ça allait chez vous, il n'y a pas eu trop la tempête. Hein. Chez moi dans le sud-ouest, ça a bien soufflé, il a bien plu. Même mon petit chat a eu peur. Hein. Je vais pas prendre ça, non. Voilà, je vais prendre ça. Que j'aurais pu prendre celle-là aussi, là. L'instant, c'est qu'une bagnole, y a rien de spécial à faire. Hein. Faut juste qu'on arrive là-bas, c'est tout. Conduit très mal. Connard. C'est parti. Il n'y a pas de minute. Oui, c'est Fred. Super, ça marche bien. J'ai rien compris. Faut aller tout là? Ah non, là. Alors toi, une seconde. Non, c'est pas là, c'est à côté. Voilà, là. Hop là. Sésame, ouvre-toi. Ouais, fais pas ta pute. Hein. Donc là, c'est le coup de FBI, d'accord. Bon, Marcus, il doit y avoir des infos susceptibles de nous mener à leur point d'observation. Dis-moi où je peux les trouver. C'est ça le problème. Ils sont malins, ces enfoirés. On dirait qu'ils ont splitté les données. Du coup, je sais pas quel serveur pirater. Ah bah super, merci d'avoir attendu que je sois à l'intérieur pour me révéler ce petit détail. Il y a une antenne sur le toit, essaie de placer un émetteur dessus. Si j'arrive à identifier les données en entrée, je devrais pouvoir retrouver le bon serveur. Ok, pas de souci. Montez sur le toit, placez un émetteur. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Oh là là.
Soit faux. Voilà. Bonjour. T'es sérieux, hein? Ah, d'accord. Bonjour, ça travaille? Trentaine de fous. Oh oh. Comment qu'on fait déjà? Comme ça. Ok, je fais ça en 2 secondes. Perds pas de temps à admirer la vue alors. Oh putain. C'est balèze. Ouais, je prépare un tour, hein, ne vous faites pas. Ça... ça sert à rien. Et bah, d'accord. Donc faut que j'amène là. Lui là. Ouais mais bon, c'est toi là qui bug. Ah, voilà. Oui. C'est bon. Ah non. Toujours pas. Ah bah c'est bon. Non. La caméra de moi. Ok. Attends. Il me stresse celui-là. Voilà. Parce que... ils mettent de pirater, mais... Là-bas, d'accord. Oui. Ici. Là. Donc là non. Bon, comment il veut que je passe l'émetteur ici là? Terminé la... oui mais ça j'ai terminé la passerelle là non? Regarde. Non. Ah c'est ici et tout là.
Oui, d'accord. Non? Toi c'est bon, toi c'est bon. Oui. C'est pas que ça me fatigue doucement, mais ça me fatigue doucement. Je crois qu'en fait j'ai pas fini. Faut que je pirate le mec d'en bas. Je me tire, c'est bon. Hein. Bonjour. Oups. Je te le dis, moi, ça c'est de la merde. Ah bon? Allez, dégagez. J'arrive pas à croire ce qui se passe. Ouais, ok. Je te le dis. Allez, dégagez. Ça c'est de la merde. Allez, dégagez. Il est là-bas, à votre avis? Ça fait quoi ça? Je m'aime pas. Oulala. Vous allez pas par ici. Bien. Ne bougez pas, je vous envoie la description du suspect. Envoyez de l'aide. Police, j'écoute. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Des données de surveillance antique. Ça m'a servi à rien, d'accord. Traquez-le, compris? Oh merde. Comment je m'en vais? Oh merde. Ah si.
Je sais pas si j'ai bien fait, on s'en fout. Oui, désolé mec. So comment? Arrêtez, arrêtez. Non. Oh seigneur. Fouillez toute la zone. Oh là là. Ah! Je l'ai pas vu. Vous aviez vu, vous? Ça y est. Super. Une seconde. Je remonte le flux des données. Oh, je suis pas pressé. Je suis juste sur le toit du FBI. C'est bon. Ok. Je te l'ai indiqué sur ta carte. Parti. Ne lâchez pas. Vous faites quoi là? Rien. Je pourrais poser la même question. Avertissez le central, il est parti. Évidemment, c'est trop tard. Regardez partout. Dites-moi ce que vous avez vu. Mais bouge! Mais bouge! Oh là là! Tout ce monde! Grouille-toi, s'il te plaît. Phew. Encore des trucs sur nous. Putain, c'est ouf. Profil, empreinte digitale. Citara a été bien utilisé pour avoir mis un truc dans le café du proviseur. C'est bon. J'ai bugué, c'est pour ça, désolé. Wrench, je suis grillé. Retire-toi, vite, vite. Ouais, mais on n'a pas l'adresse. T'inquiète, j'ai une fréquence. Go. Il n'y a pas une autre sortie, hein? Non. On l'a perdu. Il y a quelque chose là-bas. Nope. Oh.
Non, y'a personne. T'inquiète par où là? D'accord. Salut. Surtout reste calme. Fais gaffe, Marcus. Je détecte un max de mouvement. Les mecs du FBI doivent t'attendre. Ça roule. Bah écoute, on profite hein. Je sais pas pourquoi il se barre. J'aime tuer, ne me demande pas. J'étais là, je te dis. J'avais fini ma journée, tranquille. On a fait la queue pendant plus d'une heure. Tu plaisantes, j'espère. 90 minutes et 58 dollars plus tard, on était enfin servi. Ok, que je comprenne bien. Vous avez fait la queue pour un food truck? On l'a fait! Le PK, attends. C'est bon ça! Je suis sorti, mais putain, ce fail! J'ai rien trouvé! Stresse pas, ma poule! On a la fréquence de la plante maintenant! Assurance. Du coup, y'a plus qu'à faire une triangulation et on saura où elle est! Ah, ok! L'émetteur qu'on a mis en haut de l'immeuble, c'est le premier point! Yep! J'ai localisé deux autres antennes pour compléter le triangle. Moi, je m'occupe d'une, toi, tu fais l'autre, ok? Je t'indique ça sur la carte. Y'a quoi là? Moi, j'ai vu, y'a des points de compétences à mettre. Attendez, on va rajouter des points. Voilà. Je préfère mettre dans l'amélioration de la batterie. Ça suffit. Observer. Le TSEC est sur le point de relever au grand jour, révéler au grand jour le pseudo-secret centre de surveillance du FBI grâce à la triangulation radio. Vous et Wrench, vous aimez tellement participer aux activités du FBI. Oui, mais s'il te plaît. Voilà, t'es là. C'est parti! On met le boost! Je sais pas si c'est pas le camion. La manette elle vibre.
l'air du boost. Hein. Allez. Je sais pas pourquoi ça résonne le micro. Allez. Tant que ça reste fluide pour vous et audible, ça va. C'est pas dernière mission ? Hey Rench, je vais bientôt arriver au troisième point là. GG mec. Au fait, tu l'as serré ta serveuse? J'emmène voir un concert jeudi prochain. Sérieux? Ouais, elle a l'air plutôt équilibrée. Pas comme... Hey, vous bougez plus! Hey, je fais rien de mal! Les mains à terre, vite! Je promène juste mon chat... Aïe! Ah! Rench! Rench! Merde! Citara! Rench répond plus! Le FBI l'a chopé! Putain, fais chier! File-moi sa dernière position! Ça sert à rien, ils vont l'embarquer! Il faut que tu termines la triangulation pour qu'on puisse le retrouver! Allez, mangue-toi! Me dépêche! Allez, ah, allez, mangue-toi, putain! Ça va, y'a pas de temps limité! Oh. Ouais, ça c'est fait. Y'en a un derrière là? Oui. On va rentrer. C'était celui-là. Ouais. Donc là, c'est bon. Allez, ensuite en haut. Ça, c'est bon. Ça. Mais il m'en faut un. D'accord. Ok. Ok. Et ok. Retrouvons Wrench. C'est bon, émetteur en place. Triangulation en cours. C'est la vieille gare sur la 16e rue. Essayons de voir ce qui s'y passe. Pirate leur caméra de surveillance. Piratage en cours. Ok. Il a le syndrome Roy Orbison ou quoi, lui? Et tu vois, mon père, il disait que Roy portait des lunettes pour surmonter son trac. C'est French. Bon. Je vais te poser une question. Il te suffit de dire oui et tu repars d'ici en vie avec ton masque. Putain, mais c'est qui ce Roy Orbison? Si tu dis non, je garde ton masque. Je t'envoie en tôle et tu restes seul avec celui que tu détestes tant voir dans la glace. Voilà le topo. Tu es membre de DedSec, on le sait. Tu as trempé dans plusieurs affaires d'État, on le sait. Et tu seras traité en tant qu'ennemi d'État, je te le garantis. Mais tu vois, tous ces éléments me laissent plusieurs options. T'es un combattant ennemi, donc tu vas prendre cher. Peut-être même finir à Guantanamo. À moins que... À moins que quoi? Que tu m'aides à accéder à DedSec. Alors Zero Days, je veux prendre l'équipe tout entière, et c'est toi qui vas m'y aider. Bon, écoute. Si tu m'aides pas, je vais te briser. Alors donne-moi quelque chose.
Indique-moi où chercher, des noms, des adresses. Parce que crois-moi, vaut mieux que tu m'aimes ton côté. Et vous pouvez Silence. Pas... Vous avez prévenu que vous lui feriez perdre son temps. Vous mettez toute l'enquête en péril. Vous n'avez rien à faire ici. Mais allez-y. Appelez votre boss. Appelez l'agent-chef Monroe. Allez, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec Marcus? Je sais que c'est un mec sympa, il fait simplement fausse route. Mais il pourra pas vous protéger cette fois. Le FBI va se servir de lui pour faire un exemple, c'est... C'est leur truc. C'est con. Mais toi... Toi, tu as un choix à faire. Tu peux décider de... Monter à bord du train, ou de te faire écraser comme une merde. À cause de vous, tout ce qu'on a sur ce type va être irrecevable. Excusez-moi. Il semblerait que l'agent Fuentes ait des difficultés à penser sur le long terme. Vas-y, t'es libre. Et tu peux dire à tes amis que s'ils veulent que le FBI les lâche, ils n'ont qu'à venir me voir. Oui, moi ! Sinon... Je donne pas cher de leur peau. Non. Pas de touche. Il est grand temps que tu utilises tes propres yeux histoire de voir le monde tel qu'il est. T'es un grand garçon. Il faut que tu commences à montrer ta tête aux gens. Bon, ben, je vais vous laisser vous astiquer entre potes, alors. Accompagnez cet homme. Dans le calme. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Marcus? Qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est un grand défi. Putain de merde, bande de chiens! Je vais lui récupérer son masque! Range? Je suis là. Je vais te ramener ton masque. T'as tout vu? Ouais, c'était du toit tout craché. Non, Marcus, écoute, tu... T'as d'autres trucs plus importants à gérer. Non, j'en ai rien à foutre. Je te laisse pas tomber. Putain, quelle bande de hyènes. Et ils ont cru qu'on allait gober ça. Ils captent tellement pas comment on marche. Rench a besoin de son masque. Et quand l'un des nôtres a besoin de quelque chose, on lui trouve. C'est clair. Après, je piraterai leur putain de serveur pour choper les documents liés à leur projet d'extorsion. On va montrer les saloperies du FBI à tout le monde. Récupérer le masque. La garde de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. La mort.
Ça va être un long épisode, je trouve, là. Moi, j'ai repéré un autre portail. La gare de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. On va passer par l'autre portail. Ici, là, non ? Non. Ah oui, d'accord. Voilà. Chose. D'accord. Je récupère le masque. Hein. C'est tout. Ouf. Et moi, comme un con, je me gronde d'armes. La gare de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. Moi, j'ai récupéré là-bas, il y a un truc. Un passage. Ok. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Je suis mort. Quoi, t'es où, toi ? Ok. Ça va être dur. La gare de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. Oh putain, une monde là. Oh putain, t'es balèze. C'est Benzaï Live. Oh putain. Comme ça là. Comment il a fait ça? Ah, la mission de l'impossible.
Allez, changement de merde. La garde de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. Que d'ailleurs, il n'y aurait pas un passage. Bien partout, ok. Trop de monde là. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Je vous nique. Et je rentre à la maison. Allez. C'est quoi ce oui ou? Oh mon dieu, il est mort. Il est pas mort, il dort. Déployez-vous et trouvez-le. Sors de ta cachette. Chut. RS. Rends-toi. Oh. Il est chaud, il est chaud. D'accord. Oh là là. Y'a un truc là. Ça c'est pas moi. Est-ce que si je tombe là, j'ai mal?
Ah, je pense que ça fait un peu mal. Vous avez entendu ? Non. Hein ? L'entente. On a un agent à terre ! Mais il n'y a personne à terre. Hein. On ne pourra pas s'échapper. Mais non, il y a trop de monde. Bouge. Comment on passe? Comment on fait pour se... Allez. Attendez, vous avez entendu? Oh. Il me tue, voilà. Comment on fait? Il y a un passage derrière, j'ai vu. La garde de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. D'abord ça. Voilà. Voilà. Ensuite ça. Là-haut. On va vous dire. Par eux. Quoi? Où est du monde là-bas? Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Ah bon, ok, je croyais qu'on pouvait. Ah bon, ok. Putain, y'a plus personne en haut là. Qu'est-ce qui se passe?
avez entendu? Il est temps d'éliminer la compétition, mon frère. C'est bon, j'ai le masque. Fais-y bien gaffe, hein. Ça va être dur. Oh là là. Secteur dégagé, je continue. Allez, sors avec les mains en l'air. Ah, je vais. Je vous envoie la description du suspect. Bouge. Oh non. Eh, il y a eu la musique. Ah, techniquement, ça a fonctionné. Garde de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. J'en ai pas marre, mais bon. Quoi? C'est qui me voit? Le tueur à gage est en route. Il va nous débarrasser de cet enfoiré. Putain, mais t'es passé où? Il
crois. Quelqu'un a trouvé la balance. Règle-lui son compte. Crois-moi, tu seras pas prêt de l'oublier. Est-ce que je peux passer par là-haut ? Non. Et du coup, je suis dans la merde. C'est plus rapide. Oh non ! Oh non ! Putain ! Je l'avais fait. La gare de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur.
pas s'échapper. Arrête-toi. Va te faire foutre. Je t'envoie leurs infos. Ah merde. Y'a pas que nous dans leur fichier. Ils ont des données sur tous les collectifs de hackers. Ouais, c'est leur plan. Ça c'est fait. Faut que j'attende. J'attends que le drone se recharge. Voilà. C'est bon, j'ai le masque. Fais-y bien gaffe, hein. C'est fait. Mais non. En enfer, vous me retrouverez. Wrench, bouge pas mon pote, je vais te ramener ce qui t'appartient. Allez. Il attend son masque. J'arrive. Celle-là. Ouais, celle-là. Merde, alors c'est où? Bon ben... Par là, non? Ça y a Trump. Mais merde, faut passer où? Oh, Branch. Ah là, non? Nope. Attends. Je prends attendre parce que là... D'accord, il est là. Donc, pour y aller... La caméra. Que...
C'est celui-là, ouais. Ouais. D'accord, c'est bien ça. Faut bien que j'aille dedans. Et voilà. Ça, ça. Voilà, tadam. Je suis désolé que t'aies subi tout ça, mec. Tu sais, toutes ces saloperies qu'a sorti Dushan, je pourrais jamais te trahir. Tout ce qu'il veut, c'est nous diviser. Et je vais pas le laisser faire ça. Écoute, il a le FBI à ses ordres, il va tout faire pour nous avoir. J'ai besoin de tout le monde maintenant. Si on s'y met pas ensemble, on n'y arrivera pas. T'inquiète. Merci, Marcus. Wow. Le FBI a contraint certains hackers à leur fournir des logiciels de piratage. Ils les ont utilisés pour contourner le système judiciaire et accéder à vos données privées sans autorisation et sans vous prévenir. Le FBI a également kidnappé un membre de DedSec pour nous contraindre à travailler pour eux. Message au FBI, nous ne vivons pas dans un état policier. Vous n'êtes pas la police secrète et vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas transgresser la Constitution. Nous avons dévoilé votre façon d'utiliser les hackers. DedSec continuera à vous surveiller pour le bien de tous les citoyens américains. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ça c'est fait. Hypnose. Moi j'ai un t-shirt. Ils vont sortir un film. Non mais t'imagines ? J'attends la nouvelle mission. Fais gaffe à ce que tu fais. Des rêves trop bizarres. Oui, on n'a pas. Mais il n'y en a plus. En tout cas, cet épisode est très proche de la réalité, hein, avec le FBI qui harcèle, qui essaie d'avoir des trucs au-dessus des lois, hein, puisque ça, moi, perso, ça me rappelle l'événement tragique qu'il y a eu récemment par rapport à un jeune de cité qui s'est fait agresser violemment par des policiers, quoi, des flics. Et donc voilà, j'espère que ce jeune va bien aujourd'hui. En mémoire de ce jeune, je caresse ce petit chien. Salut mon petit doutou. Voilà. Donc c'est fini, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On a fait beaucoup de choses, hein. Mademoiselle. Tu veux venir m'attacher, bébé ? Allez, quoi ? Viens m'attacher. Et donc, on a hacké le FBI. On a fait quoi d'autre ? On a une boîte.
On a fait... on a infiltré le FBI aussi. Eh ouais, toi et moi on est copains, hein. Ah, d'accord. Oh, Rottweiler. Monsieur? Oh non. Ah. C'est énorme. On a réussi à foutre le bordel entre Bloom et le FBI. Pour le FBI, la confiance des gens, c'est super important. Maintenant que les fédéraux sont mêlés à l'affaire Dushan, à chaque fois que l'autre comprend un coup, le FBI mange aussi. Ouais, et ils savent qu'on va continuer à frapper. Tu crois que le FBI va faire machine arrière? Je sais pas. Mais j'espère bien. C'est tout? Allez. Ah. Voilà. C'était un épisode intéressant, hein. Sur ce, mes petits destroyers, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.